Salutations, c'est MX Trucker. Aujourd'hui, nous allons voir un tout nouveau map combo basé sur ETS 2 1.45, donc qui a été mis à jour ce jeudi. Et puis, la bonne nouvelle quand même, c'est que 1.45 vis-à-vis de 1.44, eh bien, il n'y a pas trop de changements. La majorité des modes fonctionnent. Il y a quelques cartes de 1.44 qui fonctionnent et puis d'autres ont été mises à jour. On voit ça tout de suite, notamment avec Euronet, qui est ici toujours en version 1.44, la V1.3 et son préfab Pact. Juste au-dessus, nous avons North Map, qui elle est toujours en 1.44, version 1.8. Java Road Revolution, nous avons ici Assets et modèle 2, qui est toujours en 1.44, Assets et modèle 1, et le Defend Map. Juste au-dessus, Road to Asia, qui, elle, a été convertie à 1.45, comme on le voit sur la carte. Nous avons au-dessus du modèle Assets, donc le modèle 1, puis le Road to Asia by Terra Maps et le Dalian Valencia Ferry Connection. Voilà, pour une fois, je mets le Ferry Connection, même si j'aime pas beaucoup ça, parce que ça génère quand même que l'émission se fasse par la mer plutôt que par la route. Mais le problème, c'est que si on ne met pas ce Ferry Connection, on ne peut pas y aller, tout simplement. Antarctica Map, alors là, ça, c'est une vieillerie qui réapparaît, qui était faite par Smelly Pingui. Donc, je l'ai trouvé sur le forum de Promode. Je pense donc que la mise à jour est officielle. Et nous avons ici la nouvelle Eurafrica en version 1.8 avec les fichiers numéro 3, mod, mat et def. Et tout ce que vous voyez en jaune sur la carte sont les nouvelles parties d'Eurafrica avec le retour du tunnel. Vous avez été nombreux, très nombreux à me le demander. Donc voilà, il est là, il est de retour. Et puis d'autres villes telles que Sabra, telles que Adjout, d'autres villes qui étaient existantes, telles Aflou, par exemple, ou Ain El Bel, ont été partiellement reconstruites ou améliorées. Pour obtenir Eurafrica, c'est très simple. Vous pouvez acheter la carte soit sur Gumroad, soit sur YouTube, avec ou sans abonnement, ce qui signifie également avec ou sans mise à jour. Juste au-dessus, nous avons ici Corfu and the Greek Islands, le fichier modèle et le fichier def. Puis nous avons Raw Extended, le fichier numéro 6 Media, qui est une option. Le fichier numéro 5 Assets, modèle 2, modèle 1, préfab. Et le Defend Map, le fichier numéro 1. A savoir que toutes ces cartes-là que je viens de vous citer sont mises à jour pour 1.45. Raw Extended English City Name. Puis au-dessus, nous avons Paris Rebuilt en version 3.2, Santiago de Compostela qui fonctionne toujours, et Swedish Islands en version 1.02. Donc ces cartes-là sont toujours les anciennes cartes. Au-dessus, nous avons Sud de la France Map by Charlie qui a été mise à jour pour 1.45, et BG+, la Bulgarie, mise à jour. Bourges Updated, ça, et bien voilà, c'est une nouvelle petite carte créée par Adiox, donc en version 1.0. Vous avez ici la description en anglais et en français, donc qui reconstruit une bonne partie de la ville de Bourges. Allez faire un petit tour. Et puis parmi les modes qui fonctionnent, que vous pouvez toujours utiliser venant de 1.44, et bien par exemple le Chris Mursat Custom Passagère qui fonctionne toujours. Les tablettes, les GPS, alors ici c'est marqué Volvo, mais ça marche également pour tous les camions natifs de SCS, où vous pouvez avoir un Volvo en plus grand. Le Realistic Truck Physique Mode version 8.2 par Frank Ferenka 64 que l'on télécharge depuis le workshop. Le Realistic Light Effect en version 2.4.1 qui a été mise à jour également. Le Realistic Brutal Weather en version 8 by Cass qui est mise à jour pour 1.45. Ça, c'est un son Z-Mode. Donc le Volvo D13K qui est de 1.44 et qui fonctionne toujours. Le World's Combined Background et le Full Screen War Map qui sont également des anciennes versions, qui fonctionne également avec cette nouvelle version de ETS 2.
Voilà, j'espère que vous allez vous éclater sur cette nouvelle carte. Alors, il en manque encore beaucoup, hein. Et vous allez me demander pourquoi j'ai pas mis Rusmap. Et bien, tout simplement parce qu'il n'y a pas de route connexion et toutes les autres cartes que je n'ai pas mis, ben, soit elles ne fonctionnent pas, soit on ne peut pas y accéder à cause des routes connexion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de m'accorder des likes et de souscrire à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très vite. Ciao! Greetings, here is a Mix Trucker. I'm glad to introduce to you a new map combo for ETS 2145 that has been released last Thursday. And the good news is that some maps from 144 are still running with 145, and we have also many maps that has been updated. Let's have a look on it. Here we get Euronet 1.3 and the prefabs packed. This is still version 144 running here. And then we get North Map version 1.8 still running. Java Road Revolution, Assets and Model 2, Assets and Model 1, Defend Map, this is still version 144. Then we get Road to Asia Assets, Model 1, Road to Asia Defend Map, and the Dalian Valencia ferry connection. I'm not used to use this one, but the problem is that the configuration of the map combo today makes that it's mandatory. If not, we won't be able to reach Road to Asia. Road to Asia has been updated to ETS to 145. Here we get an oldie Antarctica map. I've seen it on the Promotes forum, so I think that it's the true version, the true author also, and it has been updated to 144 by Smelly Pingu. Then we get Eurafrica 1.8 specific to ETS to 145, number 3 mod, number 2 mat, number 1 def, and the big new of Eurafrica is that the tunnel is back. The tunnel between Spain and Fnidek in Morocco. There are also some parts rebuilt, as you can see in the video just here. Many new terrain roads, of course, and some new cities in Adjout, in Sabra. Some roads are bumpy, but I think that you will enjoy that. We'll have also some parts of cities rebuilt, such as Aflou, such as Pirel-la-Terre. And what can I tell you? To get this map, you have two possibilities. A subscription to YouTube, and there is a new subscription now called Eurafrica from 1.7. Or you can go also in my Gumroad page. You can here choose any kind of subscription, 3, 6 or 12 months. But there is also a one-shot map possibilities, one-shot purchase for those who don't want any subscription. Then we got here Corfu and the Greek Islands model, Corfu and the Greek Islands Defend map. It has been released to 145 also. Here we get Roix Media number 6 is not mandatory, it's an option, but it will bring some traffic, some specific Romanian traffic to the map, so you can load it. And it has been released also to 145, number 6 Media, number 5 Assets, number 4 Model 2, number 3 Model 1, number 2 Prefab, number 1 Defa Map, and Roix Extended English City Name. Then we have here Paris Rebuilt 3.2, which is still ETS to 144, Santiago de Compostela, which is still 144, Swedish Islands version 1.02, that is still the old version. Then we get Sud de France, that has been released for ETS to 145, created by Charlie, version is 1.4. Here we get Bulgaria BG Plus, that has been released also for 145, version is 0.9, created by Omni. It's 0.9.1, sorry. Then we got a new map here that is Bourges updated. Bourges is a city in south of Paris in France, and we have explanations here in English and in French. It's created by Ediox version 1, and there are also
Old mods, when I mean old mods, I mean mod created in 144 that are still running in 145 without any problem. For example, Christmas at CM Custom mods are all running 145. For example, here the passengers, here we get the GPS tablets for all SES native trucks. This is a realistic truck physics mod version 8.2 by Frank64 that you can get from the workshop. Is running 145 and it has been released 145. Realistic light effect version 2.4.1 has been released also. Realistic brutal weather version 8 by Cass is 145 also, new version. This is Zmod engine D13K. This one is 144 but still running 145. The world's combined background map and the full screen war map to complete this map combo. They were created in 143 and 144. They are still running fine also. Here it is for this map combo. Thank you very much for watching this video. Thanks to give me thumbs up if you appreciate it, and thanks to subscribe to my channel if it's not done. See you very soon. Ciao.